Oh la vache! Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures dans Dying Light 2. Aujourd'hui, il nous attend de faire exploser ce foutu moulin pour bloquer les pacificateurs et les empêcher de continuer de nuire aux autres villageois de la ville. Donc on perd pas de temps, on y va. Surtout n'oubliez pas, si vous appréciez cet épisode, de lâcher un petit pouce j'aime à la fin de la vidéo, ou même maintenant comme ça c'est fait, ça évitera d'oublier. Et si vous savez, si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, cela m'aiderait grandement et me soutient énormément. Vous pouvez pas savoir à quel point. Dégage, d'accord, je ne peux pas y aller. Eh bien, vous savez ce qu'on va faire. On va y aller de nuit. Parce que le jeu, à la base, c'était de nuit. Donc, je pense qu'il faut qu'on y aille de nuit. Je ne sais pas, ça change vraiment grand-chose. Donc, comme on a une petite maison juste là, on va passer la nuit tranquillement. Pam, pam, pam. Allez, lui, il est là, il attend sagement. Attendu jusqu'à la nuit. C'est parti. Donc, il faut que j'aille faire péter le moulin. À mon avis. Un truc comme ça, faut pas passer par la porte d'entrée. Ah punaise, regardez. J'ai un boulet. Mais ça sera mieux de nuit. Ça sera mieux de nuit, comme ça, ça évitera qu'on se fasse voir. On va se la jouer ninja. Ok. Je sais pas ce que je fais, mais je le fais. On va passer par là. Je m'accroupisse. Il y a des choses à récupérer. Il y a un soldat ici. Ok. Alors ce qui est chiant, c'est quand on va sur le côté avec le personnage, il va très lentement et énervant. Personnellement, moi ça me saoule. J'aimerais qu'il aille aussi vite en fait. Là. C'est chaud. Mais normalement, j'avais débloqué une compétence pour les faire rapidement. Je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas les faire plus rapidement. En plus, j'ai presque plus d'armes. Donc ça m'arrange. Comme ça. Oh, oui, ils sont deux. Lui, il semble être assis et ne pas bouger, donc on va aller d'abord s'occuper de lui. On va passer par là. Ce qui est bien, c'est que moi, notre immunité ne diminue pas. Ok, donc on pense la jouer discrète. Moi, je kiffe la discrétion dans les jeux. Je suis pas le meilleur, hein, je le reconnais. Mais j'adore ça. Mais crie plus fort, vas-y. C'est pas grave. Dis à tout le monde que je suis là. Putain, qu'ils sont cons. Est-ce que... Oula. Ouais, non, regarde. Pas de guerre. Pour toi, en tout cas. Tu devrais crier aussi. Alors, en plus, l'avantage de faire de nuit, c'est qu'on a un bonus pour le combat et pour le run. Donc, ah, ben voilà, je sais pas où on va passer. Hop. On va passer par là. Oh, il fait des sauts le perso. Non! Ouais, j'ai un peu chié mon coup. Voilà. Donc là, on a personne. Une première charge. Nickel. Nickel, frère. Je suis dans une mode où je suis un peu le con avec ce genre de truc en ce moment. Hein. Vous en faites pas. Yarr! Ça me fait délirer. C'est un délire qu'on a entre collègues au boulot. Voilà. J'ai quelques petits lags sur le jeu. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Hop là. Et je fais des sauts, mais improbables, quoi. Hop là. Est-ce qu'il y a des soldats? Non, il n'y a personne ici. Attendez, on va tracer. Hein. Il n'y a personne. On va pas perdre de temps. Hop, une autre charge. Ah, mais l'autre charge, elle est en bas. Alors, elle est en bas. Il me dit qu'elle est là. Donc, où je rentre, à mon avis. Voilà, faut faire le tour par là. Ok, on pose la bombe. Expliquer la situation à Alberto. Ok, alors normalement,
il aurait fallu que je finisse par celui d'en haut. On va remonter parce qu'il me semble qu'il y a moyen. J'ai cru voir une tyrolienne. J'aimerais bien la prendre. Bah voilà. Alors faut pas se louper, faut viser les sacs poubelles. Ouah. Oh ce truc de malade. J'enlève la lumière dans la gueule. Les explosifs sont posés. Oh, ignoble. Allons-y, feu d'artifice. À toi l'honneur. Allez, soyons fous. On va bien se marrer. Vas-y. Eh ben non. Le détonateur ne marche pas. Sûrement les interférences du moulin à vent. Ah mais c'est un moulin à vent, ça fait des interférences. Ah mais si. C'est pas très impressionnant. Le moulin à vent est toujours debout et ça tourne encore. Ah oui, ça marche pas bien. Les calculs de Vincenzo, il doit être faux. Ouais voilà, fallait que ce soit toi qui fasse les calculs et pas Vincenzo. Putain. Je vais régler ça tout de suite. C'est vrai? Comment tu vas faire? Je dois aller jusqu'au bout. Il boite un peu, non? Oula. Donc, je vais lui expliquer la situation. Bah oui, je vais lui parler, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais? Une bombe armée? Les pacificateurs débarquent. Je te file une bombe. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Avec toutes ces interférences, on peut pas compter sur une détonation par émission radio. Oui, j'ai compris. Celle-ci fera péter le moulin à vent. Crois-moi. Et j'ai combien de temps? Attends voir. Elle peut péter n'importe quand. Cours. Quoi? Où est-ce que je suis censé la poser? Où ça? Et tu dois y retourner. Sans déconner. Et ensuite? Et pose-la. Mais où, putain? Pose-la. Pose-la. Pose-la où? Sur le générateur? Non. Ah putain. Là. Mais. Pose-la près de la base du moulin. Non. Oh. Ah oui, ben oui, mais j'avais pas en proposition ça. Sur le rotor. Au sommet. T'es sérieux? Tourne, Aiden. Tu crois vraiment qu'on a le temps de jouer à ça? Ben non, on n'a pas le temps. Apparemment. 3 minutes. 3 fucking minutes. Oh la vache. Je vois rien du tout. Ouais, punaise. Oh là 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 là, putain, la course contre la montre. Allez, 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 allez. Oh putain. Un peu de flammes, c'est pas grave. Je suis en feu. Mais je suis à mal. T'as 3 minutes. T'es 3 putains de minutes. Wouah, heureusement que j'ai cette compétence. Je la pose en bas. Ouah, ça marche. Ouah, c'était chaud. Ah, d'accord. Ah bah, ok. Oh, punaise. Faut suivre les indicateurs. Ouah. 1 minute 40. Oh là là, j'ai perdu trop de temps. C'est par où? C'est par où? Oh, putain. C'est une blague. Grimpe, Aiden. Non. Ouh. Oh là là, c'est chaud. Mais n'importe quoi. Allez, j'en ai marre. Plus vite. Allez.
Oh putain, il reste une minute. Allez, grouille-toi. Mais non. Ouah. The fuck. J'attends que ça tourne encore. Non. Ouah. Non, 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 non. Ah, je m'étouffe. Ah, punaise, je peux pas faire recommencer. Ah. Ah, putain. Je fais de la merde. Ouais, ouais, bah vas-y. Ah, bah je tente. Je peux pas, je peux vraiment pas. Non, je peux pas. J'ai voulu aller trop vite. Vas-y, explose-moi la tronche. Allez, explose. 2, 1. Voilà. Le temps s'est écoulé, vous avez été trop lent. A few moments later. Tant pis, on va attendre que ça passe. Il faut que j'atteigne là-haut. Donc il va me falloir celui-là, de toute façon. Il faut celui-là. Enlever la torche. J'ai des grosses chutes de FPS, je suis désolé. Pas des grosses, non, mais ça se ressent, hein. On est d'accord. Ouais. Ouais. Ouh. Allez, faut pas tomber maintenant. L'échelle. Ah oui, c'est vrai, il faut sauter pour utiliser l'échelle, c'est chiant. J'ai l'impression d'être de côté sur l'échelle, c'est horrible. Ok, très bien, je pose la bombe. Ah d'accord, il saute tout seul. Ouf, oh putain. Ça me fait penser que j'ai pas mis le compteur de mort à jour. Ah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je suis mort 6 pour moi. Oh la vache. La vache, ça calme. Allô, Alberto? Aiden, répare ces fricatures. J'arrive. Oh, oh. Ah, les enfoirés. Qu'est-ce que tu lui as fait? C'est parti. Je vois rien du tout. Oh non. Voilà ce que j'appelle une belle explosion. Un joli boom. J'ai eu mon boom. Tu leur en as mis. Tu leur en as mis plein la gueule. Toi et moi, on leur en a mis plein la gueule. Sans toi, le moulin avancerait toujours debout. Presque comme le feu d'artifice de 80. 80. Ouais, vieux quoi. Même. Oh, je suis vieux. Et ça va pas aller en s'arrangeant. Arrête tes conneries, Aiden. Je ne suis pas si perdu que ça. Merci du coup de main. Je sais ce qu'ils pensent de moi. Bien sûr que je le sais. Dis-leur qu'on a réussi et que c'est grâce à Vincenzo. Ok? C'est grâce à toi, Alberto. Non. C'est grâce à Vincenzo. Ok? Ils se foutent de lui à cause de moi.
Mais maintenant qu'on a réussi ça, ils vont arrêter de se marrer. Tu vois, son père n'est plus un vieux fou ou un raté. Il a forcé les pacificateurs à se retirer. Dis bien que c'était lui. Promets-le-moi. D'accord. C'est bon. Et dis-lui... Dis-lui que... C'est bon. Je lui dirai. Que je suis fier. Je ne lui ai jamais dit... Mon fils, je suis fier de toi. Je lui dirai. Je te le promets. Adieu, Alberto. Oh, c'est triste à souhait, quoi. Hey, Hayden. Je lis ton feu d'artifice. Il est temps de faire péter le stand de glace. Je peux pas. Il me reste un truc à faire avant. T'as pas bien pigé. Y a pas de temps à perdre. On va pouvoir rejoindre le centre maintenant. Ils sont tous trop occupés pour nous remarquer. J'ai promis à Alberto que je transmettrai un message à son fils. Tu veux finir le job ou jouer les bergers à répandre la bonne parole? Non. J'ai une mauvaise nouvelle, Akon. Alberto est mort. Je vois. Mais le métro est vide. On n'aura peut-être plus jamais une occasion comme celle-là. T'es vraiment sûr de toi? Une promesse. Je dois trouver Vincenzo, Akon. J'ai fait une promesse. Une putain de quête de chevalier. Mind-toi. Ouais. Tu te souviens de Sarah et de Jenna? Retrouve-moi chez elles quand t'auras terminé. Si t'es encore en vie. Je ne mourrai pas. Oh, la musique qui continue en plus. Oh, je parle pas parce que la musique est magnifique. En plus, quand on sait que qui a fait la musique, tout de suite ça, c'est beau, c'est beau. Franchement, c'est beau. Je sais pas si vous le savez, mais en fait, celui qui a fait les musiques du jeu, c'est celui qui a fait les musiques de Plague Tale. Je me rappelle plus son nom, j'ai oublié. Je le suis sur Twitter, je vous mettrai son nom par-dessus au moment du montage et dans la description. Donc c'est Karl qui les a trahis. C'est Karl qui les a trahis? D'où il sort cette info? Ils ont tout nettoyé. Y'a pas eu beaucoup de résistance. Parce que c'est des lâches, je t'ai déjà dit. Et les prisonniers? Un pacificateur, à moins ça. Que tu veuilles te les faire avant. Non. Eh hey, c'est Chubbs. Ils ont tué Chubbs? On dirait bien. Mais juste de lui, je pense. Faut le dire à Anderson. Ouais, mais elle est où? Elle devait être là depuis longtemps. Je vais aller la chercher. Tu vas au tournoi. Ça va. Là, par contre, ça va pas se finir comme ça. Ok, il y en a là. Je crois qu'il y a un combat de boss dans cette zone. Je me rappelle d'un extrait que j'ai vu passer. Ah, un crochet? Ça m'intéresse. Dommage. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ouh. Je vais en faire tous ces enculés. Ouais, ouais. Et moi le premier. Projetage facile. Ouais. Faut juste trouver le point. Ok, ça va être là. Non, là. Ah! Oh, j'en ai récupéré un avant. Hein. Voilà. Allez, sortez les gars.
pensais que c'était terminé, mec. Ouais, faites pas de bruit, s'il vous plaît. Je peux pas croire que Carl nous ait trahis. Putain, pèlerin. Oh, Dodger. Au début, j'ai cru que tu nous avais balancé. Mais Carl... Sans lui, les pacificateurs n'auraient pas attaqué. Mais il a fui juste après l'explosion. Ah, étrange. Il y en a d'autres en haut. Ok, je vais y aller. Vous partez. Il devrait faire plus de bruit encore. Hein, c'est censé être discrètement. Bon, je vais s'y libérer. J'ai entendu dire que cette fois, le tournoi de Carnage Hall sera plus extrême. On a reçu des ordres. Anderson est toujours pas là. Je poserai pas la question si c'était le cas, hein. Détends-toi ou tu vas nous faire un AVC. J'aurais dû prendre mes gants. Bah, ça me fera économiser l'énergie si tu fais un AVC. Le premier. Ça, il devrait faire plus de bruit quand il crève, quoi. Mais fermez vos gueules. Quelqu'un. Oui, utilisez le médicament, mais c'est bon. Y'a pas besoin. Ouais, compétences de combat. Ok. Donc là, ça m'indique les derniers, c'est ça? Ok, il m'a pas vu. Oh là là, l'IA, quoi. Non! C'était quoi? Merde. Bordel! Ah, c'est lui qui crochète cette fois. Salut. Aiden. N'ayez pas peur. Aiden, bébé Aiden. Merci. Salut Sophie. Où est Vincenzo? Aiden, attention! Oh, il a l'arme. Mais. Ah! Barney! Ce type valait même pas qu'on lui pisse à l'arrêt. Et tu vas être gentil avec moi cette fois? Debout, Aiden. Ah! Merci, mon pote. Maintenant, on est quitte. C'est pas encore terminé. Aiden! Non, putain. Aiden, sors de là, gros lâche! Eh oh! Tu ferais bien de te tirer, Anderson! C'est le territoire du bazar! Dis à Aitor qu'il est encore temps d'arrêter! Pourquoi il ferait ça? On a le dessus! T'es plus con que ce que je croyais! Descends et viens te battre! Et arrête un peu de te cacher derrière tes petits potes du bazar! Tu vas voir, je vais sauter par-dessus. Non! Ouh, excellent! Bon, on va d'abord s'occuper de ces ZAD. Oh, excellent! Tiens, ça me manquait, hein, cette technique. Voilà, donc elle a volé aussi avec. Bordel! À vous, t'es bien dans la merde. On approche. Fuck! C'est ça. Wouah, putain! Ça va être un plaisir de te tuer. Lui, il est mort. Lui aussi. Maintenant, à ton tour, connasse. Ah non, ça marche pas. Tiens. Tiens. Moi, t'as pas le temps, hein. Je comprends pas qu'Aitor t'ait fait confiance. Attends, tu vas voir ma grande. Ça vole. Aiden, on nous signale que les hommes d'Aitor se retirent. Le plan a marché. J'ai mort les bras écartés. On leur a coupé le courant, les infectés les ont laminés. Ils n'ont aucune chance sans eux. Aitor a retiré ses hommes. Ils sont dans les tunnels du métro. On n'atteindra pas le centre par là. Carl nous a trahis. C'est lui qui est allé voir les pacificateurs et qui les a prévenus. Il a prétendu vouloir éviter un bain de sang, mais il a aggravé la situation. Mais maintenant, je dirige le bazar. Ouh, je sais pas si c'est une bonne idée, ça. Nous vaincrons Aitor. Et je vous emmènerai à la boucle centrale. Qui dirige le bazar? Ok, donc en fait, si on avait fait le choix de partir avec Aikon plutôt que de venir voir Vincenzo pour lui dire pour la mort de son père, on serait déjà dans la haute ville. Dans le centre-ville. Mais on a pris le choix
d'allonger la durée de vie, en gros, entre guillemets. Ouais. Je suis sérieux. Ah, peut-être qu'avec Econ, on aurait. On serait pas arrivé directement. On a suivi le plan de Vincenzo, mais. Il a fallu qu'Alberto y aille à sa place. Il s'est sacrifié pour faire sauter le moulin avant. Putain. Pour Alberto! Pour Alberto! Ils sont complètement bourrés! Oui, Alberto! Alors. Où est Vincenzo? Il est peut-être capturé. Va voir. Est-ce qu'on va le voir maintenant? Allez, on va le voir maintenant. On va aller voir Vincenzo maintenant et on va terminer là-dessus. Vincenzo. On a réussi, Aiden. Mon père, il a vraiment réussi. Ton père voulait que je te dise qu'il a toujours été fier de toi. Très fier. Quoi? Pourquoi tu me racontes ça? Et pas lui? Il est mort, Vincenzo. Mort pour le bazar. Est-ce qu'il a souffert au moment de mourir? Oui, non. Énormément. Il souriait en pensant à toi. Parce qu'il a pu mettre en œuvre ton plan. Merci d'avoir été à ses côtés, Aiden. Ton père était vraiment cool, Vincenzo. Ouais, Alberto était pas mal. Un super artisan. Pour un raté, tu veux dire. Un nul. C'est ce que tu disais. S'il y avait plus de types comme Alberto, les pacificateurs seraient partis depuis longtemps. Allez, va voir Vincenzo. Tout de suite! Ils sont gueulés et tout, quoi. T'as fait un travail impressionnant, Aiden. On battra les pacificateurs et on t'aidera à atteindre le centre. T'es l'un des nôtres maintenant, mon frère. Tu fais partie de la famille. Ah, ce retournement de situation, quand même. Merci, avec Barney. Bonne chance. Bonne chance, pèlerin. Je suis plus un pèlerin. Hé, hey, Akon, t'es où? Ah. Je t'attends chez les filles. Tu ferais bien de te manier. Le passage vers le centre, il est bloqué. J'ai une autre idée. Vite, viens. On manque déjà de temps. Oh, arrêtez de me foutre la pression. Hop les. Ouais, la roulade sur la barrière. Tout va bien. Bon, mais cet épisode est quand même exceptionnel. On a tout fait péter, on a aidé, bah, on a vécu la mort de Alberto, malheureusement. C'est un homme bon, malgré son putain de bégaiement, hein. Non, c'est méchant, mais c'est le jeu, voilà, c'est des personnages différents, etc. Non, non, c'était vraiment un super moment, et puis l'autre, les pacificateurs, là, qui prend le bazar, non mais... Elle a cru quoi, sérieux? Elle a cru qu'elle allait s'en sortir indemne? Franchement, easy peasy, hein, honnêtement, si vous faites le jeu et que vous n'êtes pas encore arrivé là, c'est ce qui m'étonnerait parce que je suis l'un des plus lents, je pense. Et oui, comme je fais des vidéos que je prends pas le temps. Bref, pas le sujet. Donc si vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié, hein, voilà, c'est le principal, que vous avez passé un bon moment, vous avez bien rigolé autant que moi. Sur ce, ben, je vais vous laisser là. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce j'aime, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche de notification. Ça me motive énormément de vous voir vous abonner. Encore merci à tous les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à faire le tour sur la chaîne, etc. Évidemment, vous pouvez aussi partager la vidéo sur les réseaux sociaux pour la faire connaître à plus de monde, ça me ferait extrêmement plaisir. Et en parlant de réseaux sociaux, vous pouvez me rejoindre sur Twitter, Facebook, Instagram et maintenant TikTok. Et en dernier lieu, vous pouvez aussi rejoindre mon Discord où on parle de tout et de rien. Mais surtout de rien, parce qu'il n'y a pas grand monde. Mais n'hésitez pas à le rejoindre et venir discuter de choses et d'autres. Ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.